Alors, mesurer le degré de transformation d'un aliment, c'est une question difficile. Il y a plusieurs approches, et j'en viens donc aux deux démarches scientifiques, holistiques et réductionnistes, je pense, qui apportent le meilleur éclairage pour répondre à cette question. On peut adopter une démarche très réductionniste, c'est-à-dire décortiquer les traitements technologiques un à un, mais il faut garder à l'esprit qu'il y a une double complexité, c'est-à-dire que d'abord, l'aliment est le fruit de plusieurs, souvent de plus d'un traitement technologique. Et chacun de ces traitements agit différemment à la fois sur la matrice de l'aliment, qui on sait joue un rôle sur la santé, et sur sa composition. Et quand on sait qu'il y a plusieurs centaines de composés, on voit bien qu'on est face à une complexité folle. Prenons l'exemple du yaourt. Le yaourt, c'est le fruit d'un traitement mécanique avec l'écrémage du lait, thermique, pasteurisation ou upérisation de température, et fermentaire avec l'ajout de ferments. Chacun de ces traitements agissant différemment sur ça, chacun des composants du lait. Donc on voit que c'est très compliqué. Donc on peut prendre le parti de décortiquer tous ces procédés. Pourquoi pas? C'est une démarche que je qualifierais de réductionniste, qui est certainement utile pour la production de connaissances et pour peut-être des applications futures. Donc ça, c'est, je dirais, une approche de décortiquage. Sauf que on peut, contrairement à Nova, qui est une approche plus holistique, c'est qu'on peut arriver à créer plus de 100 groupes technologiques. Donc après, il y a la démarche très holistique, qui est d'avoir une vision plus globale de la transformation. Alors avant Nova, il y avait déjà des comparaisons qui étaient assez globales, hein. Il y a eu beaucoup d'études sur, par exemple, les céréales complètes et raffinées. On peut imaginer une position intermédiaire, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a voulu faire avec la démarche SIGA, l'index SIGA, où on a voulu partir des groupes technologiques Nova, qui sont des groupes qualitatifs et non quantitatifs, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de pourcentage de calories ou de nutriments, mais on parle de caractéristiques qualitatives pour définir les groupes. Donc on est parti de ces quatre groupes et on s'est dit que c'était intéressant d'avoir une approche un peu plus réductionniste, sachant que les deux approches sont nécessaires et complémentaires, dans chacun des groupes Nova. Donc, par exemple, dans le groupe peu pas transformé Nova 1, on a séparé les pas transformés et les peu transformés. C'est-à-dire que les aliments cuits, les jus 100% fruits, des aliments qui seraient très broyés, on a estimé qu'il y avait quand même une perte de l'effet matrice. Et donc, on les a mis dans peu transformés par rapport aux aliments bruts pas transformés. Ensuite, dans les aliments transformés, auxquels on ajoute des ingrédients culinaires, on a considéré qu'il fallait faire une distinction entre l'ajout de peu ou de beaucoup de sucre, sel et gras ajoutés, en fonction des seuils de la Food Standard Agency. Et donc, on a créé les aliments transformés, on va dire, avec des teneurs pas faible, mais en deçà du seuil de la Food Standard Agency en sucre, sel et gras, et les aliments plus riches en sucre, sel et gras ajoutés. Donc ça fait déjà, on voit quatre groupes. Et enfin, dans les ultra transformés, on a considéré, toujours pareil, les teneurs en sucre, sel et gras, on a considéré également la présence de certains additifs qui pourraient être à risque au vu des dernières études ou ce qu'on appelle les safety concerns de l'EFSA, donc des alertes pour certaines populations, pour certains additifs, et puis le fait qu'il n'y ait qu'un ou plusieurs marqueurs d'ultra-transformation. Donc on va distinguer par exemple un produit qui va juste contenir par exemple une glace, un sirop de glucose, d'une confiserie qui va contenir 6 à 7 additifs, plus 3 ou 4 ingrédients cosmétiques, sirop de glucose fructose, lactose, etc. Et donc on a créé trois sous-groupes d'aliments ultra-transformés. Mais vous voyez bien que la démarche est d'abord de commencer par une approche globale et qualitative, et ensuite d'appliquer des critères un peu plus quantitatifs et réductionnistes, mais surtout pas dans l'autre sens. Alors, le problème d'une approche trop réductionniste, si elle peut être utile en termes de connaissances, c'est que il faut aussi partir de la société, c'est-à-dire le problème c'est que sur les emballages alimentaires, on n'a pas les traitements technologiques, on n'a pas le temps de cuisson, on n'a pas le niveau de température, on n'a pas le niveau de pression,
notamment en cuisson extrusion, donc, et chaque fabricant va peut-être pas utiliser les mêmes critères ou les mêmes couples temps-température. Donc c'est très complexe, on n'a pas accès à ces informations. Donc ce qu'on a voulu faire, notamment avec SIGA, et sans doute Nova aussi, c'est partir d'informations qui sont accessibles par tout un chacun pour élaborer les classifications. On avait quelques grandes transformations binaires, mais pas très précises, et qui pouvaient différer selon les pays, parce que par exemple la viande transformée n'est pas la même en France qu'aux États-Unis, quand on la compare à la viande rouge. Donc il y avait céréales complètes et raffinées, fruits versus jus de fruits, lait entier versus écrémé, etc. Et ensuite, les deux autres classifications aujourd'hui, que sont Nova et SIGA, qui est dérivé de Nova, dont je viens de vous parler. Alors, pour tout est question de hiérarchie, c'est-à-dire, je pense que la question de fond est par quelle porte on entre dans la classification des aliments. Suite aux travaux que j'ai menés sur les démarches holistiques et réductionnistes, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait toujours commencer par le global, c'est-à-dire la complexité de la situation, et ensuite, quand nécessaire, aborder des questions plus spécifiques. Plus réductionniste dans le cadre de cette réflexion globale. Donc sur la base de ces résultats, je pense qu'il faut commencer par regarder le degré de transformation des aliments et ensuite d'autres critères plus réductionnistes comme la composition. Mais pas l'inverse et je vous expliquerai pourquoi. Donc il faut aller de l'holisme vers le réductionnisme et non pas l'inverse. Et donc le premier niveau de classification qui est le plus vertueux pour la santé humaine et la planète, c'est déjà de distinguer les vrais des faux aliments, les vrais des aliments ultra transformés. Pourquoi? Parce que non seulement les aliments ultra transformés, lorsque consommés en excès, sont délétères pour la santé, mais aussi pour la planète et les systèmes alimentaires. Donc c'est une cible globale et holistique, et plus la cible sociétale est globale et holistique, plus l'impact est fort. Pour bien comprendre cela, il faut prendre l'image des poupées russes. Les poupées russes, c'est donc des poupées qui sont emboîtées les unes dans les autres, de la plus grande à la plus petite. Si vous faites une recommandation sur la plus petite des poupées russes, vous n'embarquez pas les autres poupées. Par contre, si vous faites une recommandation sociétale sur la plus grande des poupées russes, par exemple en l'occurrence aliments ultra transformés et non ultra transformés, finalement une classification très binaire et très simple mais très efficace, vous embarquez tout le reste. Vous allez, par exemple, si vous allez vers des aliments non ultra transformés, vous allez naturellement manger moins gras, salé, sucré. Vous allez embarquer les systèmes alimentaires et les régénérer parce que vous allez diminuer notamment, par exemple, la destruction de l'environnement. Vous allez remplir en même temps tous vos besoins nutritionnels. Donc voilà, c'est un premier niveau de classification qui est assez efficace. Ensuite, on peut se poser des questions un peu plus spécifiques. Par exemple, une fois qu'on a recommandé d'aller vers les vrais aliments, on peut se poser la question, quand on cuisine à la maison, de ne pas ajouter trop de sucre, de sel et de gras. On peut se poser la question, quand on consomme des céréales, de plutôt favoriser les céréales complètes aux céréales raffinées, le riz brun au riz blanc, le blé complet au blé non complet. Voilà, donc c'est une question d'arborescence et de commencer par le bon critère et ensuite on peut passer à des critères plus réductionnistes. Et si on fait le choix d'aliments ultra transformés, après on peut prendre en compte le nombre d'additifs, le nombre de marqueurs d'ultra transformation et aussi l'ajout de sucre, de sel et de gras. Mais le problème c'est que si on commence par la composition comme premier critère de sélection, c'est-à-dire par des critères réductionnistes et spécifiques, eh bien, on risque de se retrouver, même si l'aliment présente en apparence un bon équilibre nutritionnel, il peut être ultra transformé et bourré de marqueurs d'ultra transformation. Donc ça nous amène au score. La plupart des scores développés sur la planète, il n'y a pas que le Nutri-Score, vous avez le Traffic Light au Royaume-Uni, le L Star Rating en Australie, les Compositional Warnings en Amérique du Sud. Ce sont tous des scores réductionnistes basés essentiellement sur la composition et non sur le degré de transformation.
Et on peut quand même constater que dans les pays où ces scores sont adoptés, c'est-à-dire souvent depuis 2013, 2014, pour l'instant, les courbes de progression de diabète et d'obésité n'ont absolument pas été enrayées. Le problème, c'est qu'effectivement, en entrant par la porte de la composition, eh bien, on peut se retrouver avec de nombreux ultra transformés. Notamment, SIGA a montré que plus de 50% des produits AB Nutri-Score sont ultra transformés, mais les Australiens avec le Star Rating sont arrivés à des mêmes, aux conclusions similaires. Et on peut se retrouver avec une aberration, c'est-à-dire que des vrais aliments nobles avec de vrais ingrédients sont moins bien classés que des aliments ultra transformés. On peut avoir des charcuteries artisanales qui vont être classées D ou E par rapport à un jambon industriel ultra transformé auquel on va même rajouter des dextroses ou des maltodextrines ou des sirops de sucre, où on va peut-être injecter un peu plus d'eau pour essayer de passer de la note C à B au Nutri-Score et qui va être ultra transformé. Donc on voit bien que si on rentre par la composition, on arrive très souvent à beaucoup d'aberrations, comme des soda light qui sont classés B alors qu'on sait très bien qu'il ne faut pas aller vers les soda light, qui sont pas moins à risque que les sodas normaux. Donc si vous voulez, l'approche réductionniste ne va pousser les industriels qu'à reformuler. Et en diminuant par exemple les teneurs en sucre et gras, on peut remplacer le sucre et les gras par des marqueurs, encore plus de marqueurs d'ultra-transformation. Et n'oubliez pas qu'on est dans un problème de vase communicant, ce qu'on a pu observer aux États-Unis dans les années 60, où ils ont diminué le gras, ils ont remplacé le gras par le sucre. Parce que prenez un aliment qui a 30% de gras, 30% de glucides et 30% de protéines. Si vous diminuez le sucre, eh bien, le gras et les protéines augmentent en proportion. Ou alors, si vous voulez qu'elles n'augmentent pas, il faut recourir à des artifices, et notamment des marqueurs d'ultra-transformation. Donc, on reste toujours dans la même logique. Et comme, si vous voulez, la pensée réductionniste a mené aux ultra-transformés, qui eux-mêmes sont associés en excès, lorsque consommés en excès aux maladies chroniques, si vous voulez, le logiciel qui a contribué à développer les maladies chroniques, c'est-à-dire la pensée réductionniste, ne peut pas en constituer le remède. Il faut changer de logiciel et aller vers une approche holistique et déjà considérer l'aliment dans sa globalité. Et considérer l'aliment dans sa globalité, c'est commencer déjà par prendre en compte le degré de transformation parce qu'il agit non seulement sur la composition, mais sur un aspect négligé, trop négligé jusqu'à aujourd'hui, il agit sur la matrice et la déstructure. Et si vous voulez, à long terme et pour la planète, la santé, le premier filtre fondamental, c'est quand même de repérer les ultra-transformés, d'encourager les gens à revenir à de vrais aliments.